Hey, c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va react top 10 de One Main. Donc, en gros, les OTP. On va voir tous ceux qui maîtrisent le mieux leur champion. Et c'est sur le serveur coréen, évidemment. CNC pour le coréen. Donc, là, on a du Weaven. Je crois que le nom il est écrit au-dessus, mais c'est un peu flouté. Ok, donc là, le frérot meurt pas évidemment. C'est Riven, gros gaming. Monstrueux. Ouais, Jace, Riven, Seven. Wouah! Ah ouais, c'est close, ouais. Des bonnes chaînes, ok, c'est écrit en haut à droite. My bad, j'avais pas vu. Ok, le R. Combo combo. Le R de Séraphine a fait un taf là. Le flank. Le fameux flank. Là ça va flash là. Là ça va flash dans le tas là. Même pas. Ok. Ouais, voilà. Flash Jade in Twitch ulti. Wow, attends, il en tue 3 là-dessus. Impressionnant. Ok, 1v2. Il a 6 kills. Ok, bah oui, Karim il tombe. C'est un problème apparemment. Ouh, le turn qui fait mal. Wow! Des HP! Des HP! Ouais, là pour le coup c'est vraiment close. Ça s'est joué à une auto. Ah non, mais meurt. Ouais, non, par contre, Vlad. Arrête. Merci. Oh, un peu de respect. Ok, donc là c'est compliqué, il y a tout le monde qui arrive dessus. Là il va à tempo, il a pas son R. Il va avoir son Ethnaker Eviscérateur bientôt là. Hop, petit coup de régène. Wouah. Au niveau 14. Ok là il se casse, il y a l'ADC. En fait ils avaient pas trop de dégâts du coup, ils pouvaient se... Ok, 8Z. Donc là on a du Z Gaming. Ok, le R. On arrive à passer à côté de tout. On tue après le Zonio Acacio. Oh oui. Quand même. Ouais, ok. T'as pas peur, frérot? Ils sont trois devant toi là. Quoi? Quoi? Ouais, non, trop fort. Trop fort. Il est chaud le bout. Ok, le R. Dodge. Quoi? Quoi? Mais comment? Aïe aïe. Eh, y a que une ombre et après il y en a une deuxième sur le R, mais. Oh oui. En vrai, Z, j'ai jamais vraiment totalement joué, je connais un peu le champion. Mais... Tu vois des moves comme ça quand t'es pas un main Z, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant de fou. Je pense que c'est un champion fait pour clip. Notre rôle. Il y a ça, il y a Kata, il y a Irelia. C'est trop beau à voir. Parce qu'il y a beaucoup d'exécutions d'APM à voir et de dodge à faire. Quoi? Oh, le dodge est monstrueux là. C'est les anciens patchs, je crois, mais. Beau gosse de fou. Quoi, mais les dégâts, mais frérot, il a 20. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? On a 20 kills. Elle en a 16. N'importe. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ah. Ah ouais. Bah Janna joue. Ok. Là c'est ok. Là il est bien. Il est juste bien dans la game. C'est moi, il y a un Z en face. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il est en aveugle. Bon, le flash, ok. Je pense qu'il y a un monde où il avait pas besoin, mais notre rôle, on n'est pas là pour juger. Wow, non mais les trucs comme ça, c'est trop beau. Ouh. Bon, je sais pas si c'est vraiment dur de mettre le R là-dessus. Ah mais non, c'est talon, ça. Ok. Ah, je crois qu'il est mort là. On a Liu Bei.
Et on a Camille. Camille, Camille, ça fait très très mal. C'est terrifiant comment ça fait mal. Il a complètement lâché. Il a tout lâché, le frérot. Ok. Par contre, non, le champion fait vraiment mal. Ça joue Trinité. Ah, il joue Hullbreaker pour. Pour jouer tout seul. Oh, joli. Le grab pour le CC. Ça fait un peu comme Ezreal. Où tu E et pendant ton cast tu te fais CC, bah ça va. Ça va quand même te TP là où t'as TP quoi. Ok. Petit dive tranquillou sur le Malphi. Tu feras gaffe, t'as 200 HP. Bon après il a 3 niveaux d'avance. Notre rôle ça m'étonnerait pas qu'il tue. Ok, j'ai fait un peu le mec. Il a vraiment super bien joué. Là-dessus, on voit, en fait, ça joue au deuxième tick du R, où il est R dessus pour cancel les dégâts. Hop. Et le deuxième tick arrive, et là, il R. Et du coup, ça cancel. Il Q flashé. Je sais pas pourquoi. Il flash. Peut-être une auto perdue, je sais pas. Mais, il est en tout cas, il a R. Le deuxième tick de son R. Oula. Fais gaffe, t'as. Il a fait un bait terrifiant. Le bait ici est monstrueux. En fait, son bait c'est. Il va pour l'auto pour stacker son passif, mais il l'a pas. Et du coup, au moment où il va pour l'auto, il flash out. Ouah, c'est frame. Notre rôle, il a attendu qu'il y ait une animation pour flash. Ça, c'est faut être confiant. Hein. Du coup, le slow. Bon, comme il peut toucher. Et là, il a récupéré son passif. Et là, il peut se battre. Oh là là. Et Camille, en vrai, c'est un champion trop dur à jouer sur les CD. C'est pour ça que quand tu es au TP, t'es au-dessus. Hein. Il a fait ses petits dégâts, il s'en va. Ouh, pour que le flash, il va. Quoi? Je crois qu'il aurait pas dû dash en arrière, le Galio. Ah ouais. Ah. Eh, c'est quand même close hein, pour tuer un Twitch hein, finalement. Le dodge est joli. Quoi? Il a flash parce qu'il a vu qu'il allait taper la marque, c'est ça? Donc là, le dodge est joli. Déjà, il a une marque en bas. Et du coup, il flash en bas pour que son auto touche en haut. Et on voit, est-ce que je peux... Ok, je sais pas comment on fait des mini décalages. Mais on voit l'auto. Là, l'auto qu'il y a là, c'est l'auto qui a été flashé. Si elle avait touché en bas, il serait mort. Et du coup, il a une auto d'avance là. C'est chaud quoi. Ça tabasse hein. Ok, la botlane, joué, j'ai 4 kills. Je suis un top laner. Je vous pète la gueule. Ok, ça doit flash quand même pour tuer. Na Xiaoming, qui est un main Aatrox. OTP peut-être. Wouah! Oh ouais! Bien! Ah ouais, genre tu cours dessus. Ok. Non, pas les mêmes champions. Hein. Je pense que notre rôle et les champions qui peuvent le plus 1v9, c'est bah, les top laners. Ça soit les Irelio, Aatrox, Illaoi. Ouais, mais gros, regarde le mec, on dirait que c'est un boss Dark Souls, les frérots, c'est des PNJ.
Et c'est même pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils peuvent rien faire. Ils ont pas les armes en fait. Ok, Mundo. Pas Mundo. Pas Mundo. Attends mais... Tu m'expliques? Pourquoi Mundo se fait quasiment one shot là? Parce qu'il est en 13-1. Ah ouais, c'est... Bien. Impressionnant. Ok. Ok. Ouais, ils sont 4. Tout va bien. Donc on tape un maximum. On arrive à tuer 7. Là, les dégâts, ça va taper un peu, non? Ok, on arrive à régène juste après. Ok, il touche très très bien. C'est Q en vrai. Bah, Sora quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Meurs. Ok. Encore? Bizarre. Ils sont 4? Bizarre encore. Ouh. Je crois que c'est maintenant, c'est dur de faire ça avec avec Aatrox. Son Z a été nerf. Oh, c'est close de fou là. Il arrive à toucher, du coup ça régène. C'est très grave. Comment il joue avec ses deux genoux là? Enfin, c'est normal, mais avec ses genoux, ses pieds sur la chaise et tout, ça me fume. Ok, talent. On a Yidaoshen. J'espère avoir une prononciation ok, mais dans tous les cas. Ouh. Il a réussi à tout dodge et à tuer. Quoi? T'as 13 kills, frérot. Tu mets deux autos, il est mort. Ok, le R sur l'ADC. On arrive à... Ouh, on clean bien tout ça. Il nettoie le chemin. Hein. Ok, le 2v3, pourquoi pas. On va focus l'ADC. Il a du mal à trouver Samira. Samira, elle bouge beaucoup. Hein. Elle veut pas mourir. Hein. Ça se voit que ça joue bien. Et Samira, elle est trop dure d'accès. Malgré tout que ça soit un talon. Hein. Ah ouais, c'est vrai que... C'est Estropure, je crois. Ou... c'est Griff... J'ai plus le nom du truc. Le Dash. C'est pas Estropure. Griff du Rodeur. Ok, bon. C'est pas très compliqué, tu passes au-dessus d'un mur contre un talon. Est-ce que finalement ça lui change quelque chose? J'ai un doute. Les joueurs tellement éclairés pendant les transitions. Yenchen. Vlad. J'ai pris des dégâts IRL. Oh Vladimir, quel champion de fou. Non mais ça va pas être le même move à chaque fois. Non ça va. Non c'est pas le même move. Un petit Q, hop. En fait le truc c'est comme son Q est instant. Les auto-attaques ils ont pas le temps d'arriver, faut pré-cast un spell. Si tu veux choper Vlad après sa flaque. Tu peux pas le tuer à l'auto. Et faut être frame break perfect. Non mais les dégâts. Ne troll Vlad devant, c'est terrifiant. Bon, dans les champions carry, y a pas que les top laners, c'est vrai, y a Vlad. Mais Vlad en même temps, qu'il soit devant ou derrière, c'est bon ce champion. Oh la régène, il carry tellement vrai. Bah jouer les frérots, non? Mais ils sont où les ennemis? Bah s'il vous plaît Ah ouais. Oh c'est... Ah quoi, petit comité d'accueil. Hop, cadeau. Et tiens, prends. Oh, moi j'ai niveau 13 contre niveau 9 là. Waouh. Ça tabasse. Ok, on a Kaito.
Ki. Oh, sur Kata. Je sais pas, je ne sais pas lire, malheureusement. Il n'y a que les X, je sais que c'est Shao. Shao, Shi, Shao. Et le reste, je sais pas. Ok. Le retour de la dague sur le Zonia. Trop, trop propre. Malgré le fait qu'il est un peu feed, franchement, il joue trop, trop bien. Kata, c'est même un champion où même quand t'es feed, en fait, tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Genre, t'as juste des cooldowns beaucoup plus réduits, du coup, tu peux te permettre. Mais niveau dégâts, c'est pas... regarde, tu vois, c'est pas Vladimir. Bon, pour le coup, Vladimir se fait éclater la gueule, là. Mais, il faut quand même avoir un très, très bon niveau mécanique. Et si tu foires une dague, bah, malheureusement, t'as pas tes resets. Ok, fight niveau 2. Oh, oh, le kill. Le reset sur le triomphe. Ok, on récupère la dague. Bam, bam. On a le E sur... Wouah. Respect. Respect tout your Catalina. Ok, ça va sous tour ça. Hein. Non, si, oui. Okay. Ah bah il s'arrête pas. Ok, il a pas de reset, il auto-attaque. Ok, tu vois, c'est ce que je disais là-dessus. Si tu foires un combo, bah t'es juste là à taper des auto-attaques. Bon, heureusement, le champion a quand même un peu de dégâts sur les auto-attaques. Surtout que là, il joue dans Nashor. Ok. Classique. Allez, Yubi. Go, go, Q. E sur la dague. Bang. Joli. Ça c'est un classique sur Kata. En gros tu Z out et tu laisses les gens venir. Et le fait que tu restes pas sur la dague c'est juste pour pouvoir timer ton E. Ok, on lâche le flash pour finir Lulu. On revient. On arrive à dot le Q de Sion du coup. Ok, personne pour cancel. On arrive à reset. Bam bam. Avec les kills on arrive à avoir des resets encore. Non mais c'est chaud. En vrai, ok Kane, on a Yilao. C'est quoi, c'est un blue? C'est un raid. Ça m'a l'air d'être un raid hein, vu la tankiness quand même. Ouais, c'est un raid. Bon du coup, ils ont pas pu avoir le... Ah, si Warwick! Warwick a style le nage pendant que... T'es avec lui Warwick hein? Pendant qu'il est en train de régénérer dans l'autre monde. Ok, Kane c'est un champion de fou. Ok. Propre. Il va le chercher, sous tour. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est l'apéro ici ou... Bah vite, tu vas où là? Ouh. Je vais se débattre à l'infini, hein, par perdre du temps. Vous pouvez pas faire... grand chose d'autre. Ok, on arrive à air. Heureusement qu'il n'y a pas été chain CC ici. Tempo c'est ça. Ok, on tue Karthus. Et on tue Leona. C'est propre. Chez Kane, c'est connu aussi pour avoir beaucoup de régène. Mais là, on n'a pas un gros plays avec de la régène. Mais énormément de dégâts. Ok. Joli focus. Oh, il meurt. Il en tue deux. On avait quatre, je crois. Quoi? Ah quoi? Il a pas pris le Z, là? Oh là. Force à vous, les frérots. En fait, même si tu dodges, ils sont un peu obligés de dodge, les frérots. Le problème est que, bah, il a assez de temps d'espace pour go, hein. Champion de fou. Ok, KZH, je connais déjà. Non, en vrai, je connaissais déjà, mais il est vraiment trop fort. Et ça fait partie des champions montage tier, genre.
Il l'a pas pris, hein. Il l'a pas touché. Ah si, il l'a touché. Pourquoi il a... Ah ouais. En vrai, il clique trop trop bien. Je pense que c'est l'un des rares qu'on va avoir dans le montage. Où la plupart du temps, il sera pas en positif. Il sera pas en 20-0. Quand il va faire ses plays. Il sera pas en 20-0. Et à 3-1. D'avant, il était en 4-6, je crois. Bon là... Il a juste tempo sa parade. Ah, il a juste... Ah, il a tenté de smite, je crois. Ok, on flash le combo. Alors, comment on esquive ce dive? What the... Wow. On va regarder ça parce que c'était joli. Donc là... Il arrive à trouver un angle. Attends, quoi? Il arrive à pousser Viego sur Samira et du coup ça a cancel son R. Je sais pas comment il a fait ça. Ok, il va vouloir go. Hop. On pousse tout le monde sur tout le monde. Wow, bon combo. Malfit. Galio. Non, Galio là en face. Waouh. Trop impressionnant les signes aussi. Pour avoir vu un Lee Sin qui jouait plutôt bien dans mes games, c'est vraiment quand t'es en game avec ça, t'es trop trop heureux frérot. T'es là, tu lui dis vas-y, éclate-toi frérot, vas-y vas-y. Dash dans tous les sens, Q sur tout le monde. Tu peux dash sur moi, pour la régène, envoie champion. Ça va frérot? Ouais. Il va y aller, l'énergie qui régène doucement. Bon, bisous. Il y a une ward qui arrive, bam, bam, oh. Le dodge. Hop, on régène ici. Tac. Propre. Régène et énergie sur les golems. En tapant. Ok, on a. Anne. Yoyan. Anne Yoyan. Anne Mouan. Sur Silas. Oula, t'es pas en bonne posture. T'as le R2. Elise. Pour le E évidemment, pour le dégât aussi. Ok, hop, toi t'es mort. Il arrive pas à choper la kill. On a encore le reset, ça va arriver. Il joue pas super aggro parce qu'il voit que tout le monde veut son cul, hein, clairement. Allez, faut que ça tombe. Ouf, il a pré-shoot le. Il a pris shoot lui. Hein. Ah ouais. Bon, en vrai, dans tous les cas, malgré le fait qu'il y avait un mur, malgré le fait qu'il y avait un bug, il avait son E donc. Ça aurait pas changé grand chose au plays. Ah ouais. Les clips de Silas, ils vont me mettre très très bien. Avec tous les R qu'il prend. Le R de Sion m'a mis très bien. En plus, il prend l'apparence de Sion quand il le fait. C'est vachement drôle. Ça touche. Ok. Faut que tu gardes... Wow. Faut qu'il garde un CC pour Samira quand elle a son R. Il l'a fait à la frame perfect. C'est même pas il a attendu qu'elle mette son R, c'est il a pré-shoot son R, frérot. Oh bah c'est bon, frérot, t'as 19 kills, tu m'étonnes. Tu as mis juste des auto-attaques, ils sont morts, les frérots. C'est quoi ce 19 kills à 23 minutes. Comment c'est possible, genre? Tempo le R avec. Ouh, ouh, ouh. Samira, elle a tenté, hein. Ok. Ok, ok. Bah, c'était extrêmement propre et impressionnant. J'espère que vous avez kiffé aussi. Je vous fais des bisous.